Voilà, monsieur Gilles Bourdoulex, monsieur le député maire, puis d'échapper à quatre, un peloton qui n'est jamais revenu. Et puis on t'a vu sur cette ligne d'arrivée, eh bien, il me semble dédier cette victoire à quelqu'un. Oui, j'ai perdu mon meilleur fan de la semaine dernière, Johan. Et dans le final, j'ai pensé beaucoup à lui, je pense qu'il me regardait. Et c'est ce qui m'a donné mes dernières forces pour lui. Franchement, ses parents sont là, c'est pour lui. Voilà, pour lui, bel hommage de Chenet Peignoir. Le voilà, vainqueur de l'épreuve. Damien, vainqueur. Cette victoire dédiée à son meilleur copain. Et on souhaite que sur le vélodrome de Roubaix, il puisse faire les mêmes gestes, car il a les capacités pour être sur le podium de Paris-Roubaix. Il est récompensé donc par monsieur Thierry Rondeau, directeur des automobiles Peugeot à Cholet. Donc les voitures de Cholet-Peignoir ont une signature. Clara Automobile, concessionnaire Peugeot à Cholet. Et on applaudit Marcel Vice, deuxième de l'épreuve. Rein Taramay, troisième de l'épreuve. Voilà le coin de l'équipe Cofidis qui nous rejoint maintenant. De l'ovation de Cholet
Allez, tout le monde est en l'air. Allez, on les applaudit très fort. Justin Jules, leader de la Coupe de France, vainqueur du Grand Prix de la Marseillaise, cinquième hier, donc au Classique Loire Atlantique, et c'est Alain Clouet, donc le secrétaire général de la Ligue, avec le vice-président de la Ligue nationale du cyclisme, qui vont remettre et adresser leurs félicitations à Justin Jules, un sacré tempérament, des podiums lors de l'étoile de Bessèges. Justin, le directeur du Tour de France, te félicite. On te souhaite un jour d'être sur le Tour de France. Entre-temps, tu passeras peut-être par le Tour Poitou-Charentes qu'organise Alain Clouet. Merci d'applaudir le leader de la Coupe de France, Justin Jules.